Bien bonjour, ma mission aujourd'hui vous présenter en moins d'une minute un jeu qui s'appelle Capital Luxe, distribué par Pixie Games en France. Visuel très particulier, c'est vrai qu'on aime, on n'aime pas, peu importe, la mécanique est juste formidable. Le principe est ultra simple, 4 familles de cartes, avec chacun un type de dessin et donc une couleur pour rappeler un petit peu, plus des valeurs inscrites dessus. Quand c'est votre tour de jouer, vous avez deux options. Ou vous placez la carte devant vous, et ça indiquera potentiellement les points que vous pouvez avoir dans cette famille à la fin de la manche, ou vous posez la carte au centre. L'intérêt de poser la carte au centre, c'est que d'une, vous allez déclencher le pouvoir correspondant à la couleur de la carte, ce qui est plutôt sympa parce qu'en général, ça permet d'embêter les autres, mais deuxièmement, ça va surtout indiquer le nombre de points maximum que chaque joueur pourra avoir dans cette couleur devant lui. Si j'ai posé 9 points devant moi en jaune et qu'au milieu, il n'y a que 6 points, et ben, je marque 0. Si par contre, il y a 9 points au milieu et que j'ai réussi à poser 9 points devant moi, tout va bien, je marquerai les 9 points. Donc vous imaginez que des fois, vous êtes obligé de jouer pour vous, puis des fois, vous allez jouer pour les autres. Donc vous allez vous poser sans arrêt des questions. Et quand on joue avec des joueurs un peu retors, ça prend une toute autre saveur et c'est très très interactif. Je vous encourage à y goûter, vous verrez, c'est juste excellent à 2, à 3 ou à 4. Bon jeu.